Les personnes qui sont nées le vendredi, ce sont des personnes qu'on appelle des waliyou, des personnes très, 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 très intelligentes. Même si tu regardes dans les classes là, si tu vois les premiers de la classe là, premier, deuxième, troisième, quatrième là, tu vas trouver des personnes qui sont nées le vendredi. Ce sont des personnes qui seront très, très, très intelligentes. Mais il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas leur premier sacrifice. Leur premier sacrifice, si tu as entendu que ta femme a accouché et que ta femme a accouché le vendredi, si tu as donné les nouvelles, l'habit que tu portes là, tu vas enlever tout ça là et tu vas sacrifier. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas ça. Parce que les personnes qui sont nées le vendredi là, dans leur vie là, ils trouvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Wallahi. Même avoir un travail, c'est un problème. Même marier une femme là, c'est un problème. Toutes leurs choses là, leur débutation, c'est bon, mais là, pas de finition. Wallahi. Même s'ils ont entendu que toutes les personnes sont en train de partir en Amérique là pour avoir l'argent là, si ils sont partis là-bas là, s'ils ne font pas attention, ils vont manger là-bas. Partout, c'est comme ça. Même si dans les zones minières là, si tu es né le vendredi, vraiment, ça sera très, 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 très difficile pour toi. C'est un jour qui est très lourd. Est-ce que vous avez compris? Même il y a les gens qui sont nés le vendredi là, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Même s'ils ont eu confiance à n'importe qui, le début, à la fin, les gens, ils vont les trahir. Bon, donc toi, tu as vu, tu es né le vendredi, même si tu dis que tu vas commencer le commerce, ça ne marche pas. Si tu mets ta main dans n'importe quel soleil, même si tout le monde trouve des bonheurs là-dedans, chez toi, c'est le contraire. Débutation, c'est bon, pas de finition. Parce que tu n'as pas fait quelque chose. Ton soubassement. Tu dois faire obligatoire ton soubassement. Une maison sans bon soubassement, ce n'est pas une bonne maison. Qu'est-ce que tu dois faire si tu es né le vendredi? Pour réussir dans ta vie, pour avoir la paix, pour avoir la stabilité, pour être riche, avoir de la longévité et que Dieu te protège contre beaucoup, beaucoup de maladies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés le vendredi, ils sont toujours malades. Est-ce que vous avez compris? C'est un jour qui est très lourd. Mais si t'es né le vendredi, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu vas ouvrir le Coran. Il y a une sourate dans le Coran qu'on a dit Sabis Marabika. C'est les enfants qui doivent écrire ça. Sabis Marabika. Ils vont écrire ça 111 fois. Les enfants qui n'ont jamais fait l'adultère. Ils vont écrire ça 111 fois. S'ils ont écrit 111 fois, tu vas transformer ça en talisman. Plus 111 fois sur une tablette. Ils vont laver ça, tu vas garder cette liquide. Chaque vendredi soir, tu vas te laver avec ça pendant 7 vendredis soir. Est-ce que tu as compris? Donc, qu'est-ce que tu dois faire comme sacrifice? Et le sacrifice, c'est un mouton blanc, plus 100 noix de couleur blanc. Ils vont lire la sourate Sabis Marabika là, 111 fois, et puis on tue le mouton blanc là. Donc, si vous avez trouvé n'importe quel marabout dans le monde, s'il y a des enfants qui n'ont jamais fait l'adultère, il peut écrire, il peut les dire d'écrire et vous donner. Je n'ai rien caché. Mais si vous dites à Hydra, vraiment, on veut que c'est, il faut donner à des enfants, comme nous, on a les enfants ici chez nous qui sont en train d'écrire pour les gens. Mais si tu nous dis à ces enfants d'écrire, ils vont écrire ça à 150 000 francs, c'est fort. Ces 150 000 francs, c'est fort. Ça, c'est pour écrire sur une fille vierge. Et sur les tablettes, ce n'est pas un petit écriture, c'est très très long. Demandez à des cramois, ils vont vous dire ça. Mais il n'y a pas mouton là-dedans et les gens qui vont écrire là et lire à surat là, il n'y a pas ça là-dedans. Si tu veux qu'on te donne toute l'information, il faut m'appeler sur mon numéro de téléphone. C'est mon numéro WhatsApp aussi. C'est plus 223 après 77 90 17 17. Plus 223 après 77 90 17 17.
Ça, ce sont des personnes qui sont nées le vendredi. Pour voir les autres jours, il faut t'abonner directement et tu vas rentrer dans les pages et tu vas suivre pour les autres jours. Toi, tu es né le vendredi, peut-être quelqu'un qui est à côté de toi, lui, il est né un autre jour. Mais si tu t'abonnes, si tu rentres dans cette page, tu vas voir les autres jours. Inch'Allah, ta'ala, tawfiq.